Bonjour à toutes. Alors, on va tout de suite commencer avec l'échauffement. Donc, on va commencer par dire oui avec la tête. Et on dit non. Ensuite, on va venir faire des cercles avec sa tête, dans un sens, puis dans l'autre. Ensuite, on va juste venir faire je sais pas avec ses épaules. Donc, on va juste les soulever. En gardant les bras bien tendus, on va venir faire des tours de bras vers l'arrière. La même chose vers l'avant. On va passer au coude, donc on va les sortir et les rentrer. Ensuite, on va passer au poignet, donc on va joindre ses mains, donc les rassembler, on va faire des petits cercles dans un sens et dans l'autre. Ensuite, on va essayer de faire la vague avec ses doigts, dans un sens et dans l'autre. Ensuite, on va venir agiter ses doigts, comme si on pianotait. On va prendre un bras, le mettre bien devant soi et tirer sur ses poignets, ses doigts. Ensuite, on passe aux genoux, donc on va les rassembler, on va faire des petits cercles dans un sens, puis dans l'autre. Ensuite, on va passer aux chevilles. Donc, on prend la première cheville et on va faire des tours dans un sens et dans l'autre. On n'oublie pas qu'on a deux chevilles. Donc on va venir se mettre à quatre pattes. On va s'échauffer les poignets. Donc pour ça, on va retourner ses mains dans tous les sens. À gauche, à droite, à l'envers, sur les poings, etc. Ensuite, on va venir écarter les jambes, tendre ses jambes, mettre les mains au niveau de sa poitrine et on va tourner d'un côté et de l'autre. Les pieds ne bougent pas, juste le haut du corps qui va d'un côté et de l'autre en suivant les bras.
Ensuite, on va faire le moulin avant. Donc, on garde les jambes tendues, les bras tendus et on va venir toucher sa main avec le pied opposé. Ensuite, le prochain exercice, on va venir faire une petite danse. Donc, on a 4 pas. Le premier, c'est 2 pas en avant, 2 pas en arrière, 4 montées de genoux, 2 pas en avant, 2 pas en arrière et des petits pas. Etc. 2 pas en avant, 2 pas en arrière, des montées de genoux, 2 pas en avant, 2 pas en arrière, des petits pas. Ensuite, le prochain exercice. Donc, on va venir se mettre à 4 pattes. Sauf que ça va être un 4 pattes un peu spécial puisqu'on va soulever les genoux. Donc, pour ça, il faut s'appuyer de ses pointes de pied et il faut bien pousser dans ses épaules. Le prochain exercice, on va venir se mettre sur ses genoux, donc les fesses sont décollées des talons. Ensuite, on va venir se mettre accroupi et faire un saut extension. On se tient à la position de réception 2 secondes et on se remet sur les genoux. Accroupi, saut extension, on tient à la position 2 secondes, et on se remet accroupi sur les genoux, etc. etc. Ensuite, pour le prochain exercice, on va venir se mettre assis. Donc on va avoir les jambes pliées. Il faut avoir un grand dos. Donc on va d'abord se mettre en chandelle. Donc on peut mettre les bras aux oreilles ou derrière le dos. Et ensuite, en serrant bien ses jambes, on va venir se mettre dans la position qu'on tient 2 secondes. On se redresse, on se remet dans la position. Et on se remet en chandelle. On tient la position 1, 2. On se redresse. On se remet dans la position 1. 2 et on se remet en chandelle.
Ensuite, pour le prochain exercice, on va venir mettre ses pieds décalés. On tend bien ses jambes et on va venir se mettre sur demi-pont. Donc il faut bien serrer son ventre et ses fesses. Les bras sont aux oreilles. Le but, c'est de ne pas bouger du tout. C'est super important pour la suite de l'exercice. L'exercice va être le suivant. Nous, on va se mettre dans la même position, celle que je viens de vous montrer, et on va essayer de faire un demi-tour. Pour ça, il faut être super dur. Être super dur, c'est serrer son ventre et ses fesses. Maintenant, on va faire la même chose, mais accroupi. Attention, ça va être un peu plus compliqué, donc il ne faut pas avoir peur de tomber, ça peut arriver. Pour ça, il faut bien garder les bras aux oreilles ou sur le côté pour s'aider. Ensuite, on va se mettre dans la première position de la séance, donc c'était le 4 pattes sans les genoux. Voilà. Donc maintenant, on ne bouge plus. Pour le prochain exercice, on va aller chercher un mur, une table ou une chaise, mettre ses mains dessus et on va venir monter et descendre. On va passer au défi du jour. Donc, le défi du jour est le suivant. On se met sur les pointes de pied. Ensuite, on tend bien ses jambes, on serre son ventre et ses fesses, on met les bras aux oreilles et on ne bouge plus. L'objectif, c'est de tenir le plus longtemps possible. On peut aussi le faire avec les yeux fermés, mais attention, ce sera un peu plus dur. Très bien, maintenant on va passer à l'étirement. Alors, on va venir se mettre
en position du papillon. Je mets assise, on va venir coller ses pieds, les rapprocher le plus près possible de soi. On fait un dos droit et on papillonne. Ensuite, on va venir mettre les bras aux oreilles et on va s'allonger le plus loin possible devant. Ensuite, on va venir écarter ses jambes. Attention, il faut que les jambes soient super tendues. On fait des belles pointes de pied, les genoux regardent le ciel. On met les doigts aux oreilles, on va mettre les mains super loin. Pour le dernier exercice de la séance, on va venir se mettre debout, les bras aux oreilles, et tout doucement, on va venir chercher le sol avec ses mains. Et voilà, ce sera tout pour cette séance. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.